Salut tout le monde, c'est GameMan pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau let's play Soma. Voilà, Soma, qui est un jeu d'horreur sorti fin 2015. Si je crois me souvenir, bah oui, c'est fin 2015. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit bien faire 4 mois. Ça fait 4 mois ou 3 ou je sais plus, sans nouvel épisode de Black Ops, sans nouveau flashback, sans rien du tout. Pour des raisons toutes connes en fait, j'avais juste plus de place dans mon disque dur PC. Et justement, je pouvais pas enregistrer de vidéo tant que je n'avais pas de place. Donc j'ai dû supprimer énormément de jeux, chose que je voulais pas faire à la base. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant de refaire une nouvelle vidéo. Je voulais pas supprimer les jeux, mais j'étais obligé de le faire. Et tout simplement, j'avais plus de place. Il faut dire qu'aussi pendant un temps, j'en avais pas l'envie. J'avais pas envie de faire des vidéos. Donc voilà, plus de place, pas l'envie. Et en plus, c'était les périodes de fêtes. Je voulais être un peu au calme, tout ça. Et mon logiciel de record aussi, il faut pas oublier que... Pardon, je suis un peu enroué. Faut pas oublier aussi que le logiciel de record buguait, parce que je l'ai réinstallé. Là, il bug plus, mais... Toutes mes vidéos, en fait, que je faisais étaient corrompues. Et je trouvais pas d'où venait le problème, tout ça. Mais là, c'est bon, le problème est réglé. Ce n'est plus corrompu et on va démarrer ce nouveau let's play. Alors, en mode normal, bien évidemment. J'avais joué un peu pour me mettre dans le bain. J'ai un peu joué, j'ai fait à peine le début. À peine, hein, vraiment. Alors, pourquoi je décide de faire Soma? Je fais Soma. Pardon. Je suis un peu enroué et j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. J'ai pris Soma parce que c'est un jeu d'horreur et je sais que vous aimez les jeux d'horreur. Hein. Sur ma chaîne, ça a particulièrement marché avec Slender The Arrival. Donc j'espère que Soma, ce nouveau jeu d'horreur sur la chaîne, vous plaira malgré sa vieillesse. Hein, il a quand même 3 ans. Quoi d'autre? Oui, donc, nouveau let's play, jeu d'horreur. Le let's play Black Ops que je compte finir. D'ailleurs, en parlant du let's play Black Ops, je vais mettre pause 5 secondes. À propos du let's play Black Ops, c'est pas de ma faute. J'ai fait un épisode. Hein, je vais être honnête avec vous, j'ai fait un épisode. Et le problème, c'est que... il était corrompu lui aussi, enfin je sais pas comment je pourrais expliquer ça. On va dire que mon navire média faisait planter mon PC. Et c'est littéralement vrai. J'ai tenté de faire des vidéos 3-4 fois. À chaque fois il plantait. Donc j'ai abandonné l'affaire. L'épisode de Black Ops, le let's play reviendra. C'est sûr, il reviendra. Mais je pourrais pas assurer quand, tant que ce problème d'AverMedia ne sera pas réglé. Voilà, j'ai posé les bases sur les raisons de mon absence. Alors, pour interagir avec des objets, donc là, on va prendre le téléphone. Le jeu est en anglais, hein, c'est pour ça que j'ai mis les sous-titres. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Voilà, petite conversation avec notre médecin. Hey Simon, it's Jesse. You're working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Alors,
pour vous expliquer un peu, pour lui expliquer, pour vous expliquer, pardon, un peu le concept. En fait, notre personnage a eu un accident de voiture dans lequel son amie est morte pendant l'accident de voiture. Donc, du coup, notre perso, il est gravement blessé parce que c'était lui le conducteur. Et il est gravement blessé au cerveau. C'est-à-dire, il lui manquait une partie de son cerveau. J'ai pas tout compris là-dessus, mais en tout cas, il était gravement blessé. Et son cerveau, en fait, se soignait tout seul. En fait, son cerveau se soigne tout seul. Et il a quelques migraines quand il fait certains trucs. Il a des saignements au niveau du cerveau, justement. Il doit à tout prix éviter ça. Et donc, il voit un docteur, là, pour un scanner cérébral. Le docteur, je sais plus comment il s'appelle. Mais il voit un docteur qui, normalement, va lui, lui faire un scanner, tout simplement, du cerveau. Alors, bon, ça, c'est des papiers, hein, ça, bon, ça. Voilà leur tête. Ouais. La plage, je pense pas que ce soit très intéressant. Des pieds, voilà. The Grimoire présente, ouais. Grimoire, ouais, c'est leur magasin. Grimoire, c'est leur magasin. Celui qui tient avec son pote. Bon rétablissement, bisous maman. Je joue sur PC, pour ceux qui veulent savoir. Le jeu, il est vraiment pas difficile à faire tourner. Ouais. On ferme la porte, bien évidemment. On éteint la lampe. Et voilà, que je me souvienne d'où est le médicament. Quoi? Il était là, le médoc? L'emplacement est aléatoire ou... je crois franchement que l'emplacement est aléatoire parce que le médoc tout à l'heure se trouvait ici et il n'est plus là. Ouais, je vais prendre les clés. Hein, désolé si je parle pas beaucoup, j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos vraiment. Ah bah voilà. Non, il était pas là tout à l'heure. Il était pas là. Tout à l'heure, il était dans le placard. Mais bon, c'est aléatoire, c'est pas grave. Hein. Let's go. Voilà. Donc ça, c'est l'accident, justement, que j'ai eu. Voilà. Je vous laisse faire pause et lire pour ceux qui veulent lire. Moi, j'ai déjà lu. Ouais. Alors, évidemment... Il y a un mail qu'on a oublié d'envoyer. On va l'envoyer tout de suite. Better late than never. Alors, voilà. Je vous laisse mettre pause. Voilà. Normalement, vous avez mis pause si vous voulez lire. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà tout lu dans cet appart. Donc on va y aller tout de suite. Pour info, je me suis arrêté au moment où j'allais chez le médecin. Donc c'est-à-dire après le métro, hein, après ça. Je me suis arrêté après cet endroit. Donc voilà. Là, il y a un mec des Men in Black. J'espère que vous aimerez aussi mon nouveau micro. J'ai un nouveau micro, donc la qualité... doit être supérieur à la dernière fois. La qualité doit être assez bonne. Vu que c'est un bon micro en plus. She's coming back. Well, good luck.
the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Voilà. Donc ça, c'était Jess, mon meilleur ami. Voilà, donc là, on va se retrouver chez le médecin. Voilà. J'espère que mon retour sur YouTube vous fera plaisir, même si vous êtes peu nombreux. Hein, j'espère que ça vous fera quand même plaisir. Hello? Non, je vais partir. Ah bah non, ça serait trop facile. Ok. Donc, j'ai dit... Ce let's play, je vais le finir. J'ai dit qu'à partir de maintenant, mes let's play, je les finirai. C'est comme Black Ops. Je vais le finir, Black Ops. Il suffit juste un peu de patience à cause du problème que j'ai avec mon AverMedia. Mais... Il suffit juste de patienter. Vous pouvez lire si vous voulez, voilà. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas vraiment, mettez pause. Ah merde, attendez. Je vais devoir fouiller. Tiroir. 2501. Ok, 2501. Voilà. Et je me suis arrêté ici. C'est ici que je me suis arrêté. Voilà. Donc là, je suis totalement en terre inconnue. C'est quoi ça ? Ouais. Là, je suis totalement en terre inconnue, livré à moi-même. Je suis pas sûr que ce soit très important pour la suite. Désolé si vraiment je parle pas beaucoup, c'est parce que les jeux d'horreur, bah, les jeux d'horreur ça m'oppresse, hein. Ça me fait peur, c'est un peu le but des jeux d'horreur. Mais aussi parce que j'avais pas fait de vidéo depuis un bail. Ça date, la dernière vidéo que j'ai faite, ça date d'il y a 4 mois, ouais, 6-4 mois. Donc c'est normal si je ne parle pas beaucoup. Tout simplement perdu l'habitude, mais ça reviendra. Alors déjà, lui, il a une tête qui m'inspire pas du tout confiance. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Oh, did you take the tracer fluid? Yes, yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. On va fermer la porte parce qu'on est des gens polis, nous. Alors. Ouais, bon, ça c'est un docteur, enfin, comme il l'a expliqué, il veut devenir docteur justement avec cette expérience. Ouais, ouais, c'est bon, ta gueule. J'espère que le son du jeu est assez fort pour vous. S'il n'est pas assez fort, bah, je veillerai à ce que dans l'épisode 2, il le soit. Épisode 2 ou 3, ça dépend si je tourne. Les deux épisodes à la suite. Ok, donc c'est un scan cérébral. On n'a rien à craindre. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver, franchement? All right. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Okay. Okay, donc là, il fait tout noir.
Mr. Munchie, did something go wrong? Et voilà. Voilà, c'est parti totalement en couille. This isn't funny. On va établir le courant. Wow! Oh putain, c'est ébloui. Oh putain, c'est ébloui. How did I get here? Je peux prendre une combi? Ah, je peux pas. I just need to stay calm. We need to make things worse. Console de service, insérer le mini-tool. Ok, pour l'instant je peux pas faire grand chose. Est-ce que je peux péter cette vitre? Non. Voilà, ça c'est le panneau. Ouais, ça c'est pour faire pivoter. Hein. On s'en fout. Boom. Je vais essayer de péter la vitre avec la chaise. Oui, si, voilà, c'est ça, voilà. Avec la chaise. On est dans un sorte de vaisseau, je sais pas ce que c'est. Ok, bon, ça c'est la salle où j'étais, je l'ai débloqué au cas où. Apparemment c'était la merde, il parlait d'enfermer des gens. Ouais. C'est marrant parce que y a qu'un seul chiotte. Donc si vous êtes plusieurs à vouloir y aller, c'est un peu la merde. Ah c'est quoi? C'est de l'huile ou c'est quoi? Ouais, on dirait très franchement de l'huile. Hein. L'huile de moteur, un truc comme ça. On va fermer le frigo quand même. Ok, bon ben, il y a un sort de truc bizarre. Ouais. Si vous voulez, les gars, si vous voulez. Ça se joue à la manière d'un Amnesia. Et c'est normal parce que ce sont les mêmes développeurs qui ont fait Amnesia. Donc si ça vous rappelle un peu Amnesia, bah c'est normal. What the fuck? Ok. L'image se brouille. Ce n'est pas un truc du record, c'est vraiment un jeu. Pour l'instant, on comprend pas trop ce qui se passe. Alors, moi et les jeux d'horreur, ça fait deux. Vous l'avez bien vu avec Slender The Arrival. J'ai dû inviter mon ami Samot à me rejoindre vers la fin de l'aventure. Parce que ce jeu me faisait hyper peur. Sauf que là, ce souci, je ne peux pas inviter Samot.
Parce que là, ce jeu, je pense que déjà de 1, il est plus long que Slender. Et il fait plus flipper que Slender, j'imagine. Oh putain. Ok, ça commence bien. Pourquoi il me dit de m'accroupir ? Accroupi. Est-ce qu'il me dit ça comme ça ou il me dit ça parce que il y a une situation. Oh putain, il y a quelqu'un qui est en train de prendre tarif. Oh putain, il y a quelqu'un qui a pris tarif. Bordel, bordel. Calme-toi. Putain de merde. Ok. Alors désolé si j'insulte beaucoup et je dis beaucoup de mots vulgaires. Mais quand j'ai peur, c'est comme ça. Quand j'ai peur, j'ai peur. Ça me dit tout. Tu vois, ça c'est un programme, on s'en fout un peu. Voilà, j'ai trouvé l'Omnitool, faut que je retourne à la salle où j'étais juste avant pour l'utiliser. Tab. Ok, tab, ouais, c'est ça. Ah, c'est dégueulasse. Il y a de l'huile de moteur partout. Ok, on va courir. Notre perso, il court assez vite. Non, c'était pas par là, c'était par là. Notre perso, il court assez vite. Fermer la porte derrière nous, même si ça sert à rien puisqu'il y a une vitre pétée à côté. T'as du système. Ouais. J'y comprends rien. Mais... Ah, manipuler la puce à outils. Puce outil non inséré. Puis puce cortex. Puce cortex non inséré. Oh. Oh, ouvrir la boîte à outils, ça fait un truc. Attendez, on va aller dans orientation. Ça pour voir des portes pratiquement toutes. Non, je suis pas ingénieur, non. Je suis juste un mec qui sait pas ce qu'il faut là. C'est marrant, il ressemble un peu à Jean-Luc Reichmann. Non, mais je sais pas si vous voyez le présentateur. Jean-Luc Reichmann, il y ressemble un peu. Il a un petit air. Bon, on va manipuler à tous. La puce, pardon. Outil. Hop, mettre à jour. Putain, ça aurait été une mise à jour Windows, ça aurait pris toute la nuit. Là. Ah. Level 3, cool. C'est bon, mon Omnitool est à jour. Je peux maintenant retourner là où j'étais supposé aller. Ok. Ok. N'ayez pas trop... N'ayez pas le son trop fort dans vos oreilles. Contrairement à moi ! Putain. Parce que moi je l'ai vraiment fort dans les oreilles pour pouvoir entendre les bruits. Et je crois que j'aurais pas dû.
Vas-y. Yes. J'ai pas visité les autres. Oh puis merde. Ouais non non. On va aller visiter un peu les autres coins parce que si j'oublie un truc. Ok non. J'étais là. Ah ici c'est l'endroit où j'étais ça. Ah j'avais pas vu ça. Siège pilotage en cours. J'avais pas vu. Oh. Ok. Réseau de robots. Déconnecté. État du pilote. Aucun pilote. 5 robots de main. Aucun pilote. Ok. Ouais. Rapport. Pilote. Carl Skemen. Ok. Ici. On va pas pouvoir aller là. Attendez, c'est que ça va. Non, on va pas pouvoir aller là. Ok, bon. Je vais aller là où j'étais censé aller. Ok, on est sous l'eau. On est dans un sort de complexe sous-marin. On voit que l'endroit a été laissé à l'abandon il y a longtemps. En tout cas, c'est ce que ça me fait penser parce que toute cette végétation, tout ça autour du truc. Enfin, je veux dire, si ça aurait été abandonné il y a genre un ou deux jours, je pense pas qu'il y aurait de la végétation qui aurait poussé ici. Enfin. Je pense que ça aurait été un minimum nettoyé. Ok, donc ça c'est une sorte de poisson chelou. Ok, donc un requin avec des tentacules chelous. C'est quoi, c'est un poisson, c'est un trou, c'est. Ok. Est-ce que ça serait pas genre le truc qu'on voit sur les murs ou quoi? Ça peut être une maladie ou un truc comme ça. Une mutation peut-être. Ok, un bras robot. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. 30 minutes, c'est largement assez, je pense, pour ce premier épisode. Merci de l'avoir regardé. Merci d'être resté après autant de temps d'inactivité sur la chaîne, hein, si vous êtes toujours là, bien évidemment. J'espère que ce tout premier épisode de ce tout nouveau Let's Play de Soma vous plaira. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser le petit pouce bleu,
à partager, à commenter et à vous abonner si le concept de la chaîne vous plaît. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Gameman. Ciao.